Maternité effectue 2500 accouchements par an. Il y en a eu 1000, alors il y a eu, elle a été fermée et il y a eu 1300 accouchements qui ont été prévus sur trousseau et 600 à tenons. Et le reste, les femmes qui étaient enceintes, on ne sait pas où elles sont allées, peut-être dans des cliniques privées ou ailleurs. Mais en tout cas, une fermeture de maternité n'équivaut pas à une ouverture de lit en plus dans les autres maternités de toute façon. Ensuite, ils ont créé la maternité de Port-Royal. Une vraie usine à bébés, et là on se rend bien compte que c'est des structures, des super méga structures qui sont complètement inhumaines, où les accidents sont assez réguliers. Et alors, pour se rendre compte un peu des fermetures des maternités qu'il y a eu depuis ces dernières années, en 1975, il y avait 1369 maternités pour 750 000 naissances. En 2013, il n'y a que 535 maternités pour 792 000 naissances, c'est-à-dire qu'il y a plus de naissances et moins de maternités. Donc on passe de 1369 maternités à 535, plus de la moitié, c'est énorme, quoi. Pour le même taux de naissance, voire plus de taux de naissance. Alors, au départ, on commençait à nous dire qu'il fallait fermer les petites maternités qui ne faisaient même pas 300 accouchements. Mais même les grosses, par exemple celle d'Ivry-sur-Seine, a fermé alors qu'elle effectuait 2000 accouchements. Donc on nous dit qu'il faut faire plus d'accouchements sinon on va fermer. Mais de toute façon, même les grosses maternités, quelquefois quand les ARS veulent fermer, elles ferment même les grosses maternités. On se rend compte aussi que la maternité des Lilas, c'est pas fini la bataille, puisqu'elle date depuis des années. Où cette maternité effectue 1650 naissances et 1210 IVG chaque année. Et là aussi, beaucoup de promesses de Hollande, de différents politiques. Et on se rend compte que la maternité est encore sur la sellette, soi-disant parce qu'il y a des déficits. La maternité des Bluets aussi, déficit de 6 millions, a reçu une subvention de l'ARS. Et c'est toujours pareil. En contrepartie, il faut faire des efforts sur qui ? Sur les contrats de prestataires, sur la facturation des chambres seules, mais aussi sur les personnels. Donc on se rend compte qu'on nous donne des subventions, mais en échange de suppression de personnel. Et c'est toujours sur la sellette, rien n'est jamais acquis. La maternité de l'Hôtel-Dieu a fermé, la maternité de Saint-Paul a fermé, de Saint-Vincent-de-Paul a fermé. Toutes ces maternités, ces petites structures qui étaient à visage humain, où les gens prenaient le temps, les soignants prenaient le temps d'accompagner les parents, de faire des accouchements. Avec les parents, ben là on se rend compte que tout ça ferme pour des grosses structures où on est des numéros et on a des salles d'attente et il faut que ça aille vite, quoi. C'est vraiment des usines à accoucher et à bébé. Les lieux d'écoute et d'humanité, le respect des choix individuels, l'éducation, l'information des parents, tout ça, ça passe à la trappe. La naissance n'est plus humaine, quoi. L'épanouissement du lien parent-enfant, tout ça, ça passe à la trappe. D'ailleurs, c'est plus du tout revalorisé. Par le nouveau financement des hôpitaux, où on se rend compte que la tarification à l'activité et les financements de l'hôpital, c'est en fonction de l'acte, en fonction de la pathologie, et le temps d'écoute, le temps de parole, le temps d'accompagnement n'est pas valorisé du tout dans la tarification, parce que ça c'est gratuit, ça coûte, il n'y a aucune prestation pour ça, quoi. Donc aucun remboursement pour ça. Alors les IVG, ben, l'IVG aussi de Saint-Antoine est passé, il y a eu une sacrée bataille, mais il est passé à la trappe en même temps que la maternité. Et malgré la loi, les centres IVG sont particulièrement fragilisés, puisque voté en 2013, le remboursement à 100% de l'IVG ne couvre pas l'ensemble des actes nécessaires à celui-ci. Il est sous-évalué. La facturation des IVG par rapport des hôpitaux est sous-évaluée et ça rapporte rien, quoi, à l'hôpital de faire des IVG. Donc là aussi, on se rend compte. Normalement, la loi devrait prévoir un centre IVG pour chaque hôpital. Et là, on se rend compte qu'avec la fusion des hôpitaux, ben, ils en profitent pour fermer les IVG, les centres IVG. Alors, c'est au-delà de l'insuffisance valorisation de l'acte IVG, c'est la non-reconnaissance de l'activité d'accueil, d'information, d'accompagnement, du
suivi des femmes qui est en cause. Il faut que nous soyons vigilants pour que véritables délais de contraception existent, parce que quand les centres ferment, c'est des délais d'attente qui sont de plus en plus longs. Et forcément, les femmes qui ont les moyens peuvent partir quand les délais sont dépassés, elles peuvent partir à l'étranger, mais quand elles n'ont pas de moyens, c'est les plus fragilisés et les plus pauvres qui craignent, quoi. Hein. Non, de toute façon, vous avez belle allure. Franchement, vous avez fière allure. La banderole est pas mal non plus. Hein, je crois qu'on peut féliciter ceux qui l'ont accroché parce qu'elle tient bien, c'est du travail de professionnel. D'accord. Voilà, moi je vais pas en rajouter des louches et des louches. Le but du jeu, c'est en effet de, par des actions, d'essayer de mettre un certain nombre de sujets précis dans le cadre de la campagne électorale, ce qui est franchement pas gagné, puisqu'on va avoir une campagne électorale plus qu'au rabais. En vérité, il n'y aura pas de campagne électorale du tout, puisque les partis ont décidé de ne pas mener campagne, qu'on aille le plus vite possible avec un vrai faux débat à la télé, et puis qu'on vote avec le moins d'électeurs possible. Comme ça arrangera un peu tous les partis institutionnels en place, ou ceux qui aspirent à le devenir, et dans le lot, on met le Front National, évidemment, puisque c'est un peu la logique, en plus de tout le mal qu'on pense d'elle, de Marine Le Pen actuellement. Donc on a fait une première action sur l'agence Frontex, pour ouvrir un peu le bal, parce que ça nous semblait important de mettre des sujets concrets sur la table, et notamment cette agence qui est subventionnée par des dizaines de millions d'argent public pour faire son sale boulot dans la Méditerranée notamment, et puis autour des frontières, pour bloquer les migrants avec la politique que ça signifie et les dizaines de milliers de morts malheureusement que ça signifie aussi. Et là aujourd'hui on le fait dans le domaine du service public hospitalier, et pour nous c'est l'illustration, et j'en ferai pas des tonnes là-dessus, du point commun qu'il peut y avoir entre ce qui se passe en France et ce qui se passe dans le reste de l'Europe, et à quel point les politiques peuvent être coordonnées, et à quel point il peut y avoir un point commun entre les directives sur les services, la mise en concurrence, la libéralisation à outrance, qui consiste par exemple à prendre une unité hospitalière, la doter d'un budget et lui dire maintenant il faut que tu grandisses, il faut que tu sois plus fort que les autres, il faut que tu écrases les autres, c'est-à-dire qu'on demande à un service public hospitalier, à une unité du service public hospitalier, de se comporter comme une entreprise. Et à ce jeu-là, à partir de ce moment-là, le service public en réalité est déjà mort. Et c'est vrai pour le service public hospitalier, c'est vrai pour tous les services publics. À partir du moment où il y a une mise en concurrence entre les unités entre elles, ou par exemple au niveau du budget, on met fin à toute politique de péréquation, c'est la fin du service public hospitalier, et du coup ça a des conséquences, et c'est ce qu'on est venu illustrer ce matin notamment, avec les fermetures des maternités. Et là il y a un point commun entre le droit des femmes, par exemple, et la question du service public de la santé. Donc pour nous c'est quelque chose d'essentiel, d'essayer de faire dire que quand on parle de la question européenne, il y a cette question-là qui est sur la table et qui rejoint la politique du gouvernement, puisque quand même les deux années précédentes, on a un gouvernement qui sciemment a pris dans la poche du service public hospitalier des centaines de millions d'euros, 650 millions la première année, je crois 500 millions la seconde, avec des économies, et les économies on sait ce que ça signifie, hein, c'est des fermetures de services, c'est des suppressions de postes, et dans le même temps par le crédit d'impôt compétitivité, c'est de l'argent qu'on donne à qui ? En effet aux cliniques privées. Et ça c'est une politique qui est étudiée en tant que telle. Donc là, ça met un peu fin, je dirais, à cette espèce de politique inéluctable qui arrange bien une nouvelle fois, et là aussi c'est assez démonstratif, qui arrange bien à la fois les libéraux et les europhobes, puisqu'il paraît que c'est comme ça, ou les eurosceptiques que les appellent les médias, puisque tous remettent tout sur le dos de la Commission de Bruxelles. Donc les libéraux, par exemple, ils disent on n'a pas le choix parce que c'est la faute à la Commission de Bruxelles. On n'a pas le choix parce qu'on est obligé de se mettre aux normes de la réglementation européenne. Or, toutes les fameuses normes de réglementation européenne, elles sont dictées en première et en dernière instance par les gouvernements nationaux. Et ça, les libéraux le savent, les eurosceptiques et les nationalistes et les chauvins le savent. La vraie responsabilité, elle est des côtés des gouvernements nationaux. Et c'est pour ça que dans le cadre de cette campagne aussi, on mettra la pression à notre propre gouvernement, parce que c'est aussi notre propre responsabilité, de faire en sorte qu'au-delà des élections, par la lutte, par le rapport de force, on gagne l'embauche des emplois qui manquent, qu'on gagne la rouverture des services qui manquent. Et ça commence notamment par la journée de grève qui aura lieu le 15 mai prochain, où on espère qu'il y aura un maximum de monde dans la rue. Voilà, donc les actions continuent, et vive le service public hospitalier, et à bas le gouvernement. Voilà. Bon, maintenant, on va vous inviter à nous suivre. On va faire une petite manifestation dans l'hôpital. Quand même. Maternité fermée. Femmes en danger. Maternité fermée. Femmes en danger. Ouvrez. Ouvrez. Les maternités. Maternité fermée. Femmes en danger. Ouvrez, ouvrez, la maternité.
maternité fermée. Femme en danger. 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 Maternité fermée. L'hôpital public, on s'est battu pour le gagner en se battant pour le garder. L'hôpital public, on s'est battu pour le garder en se battant pour le garder. Sortie, j'ai fermé. Femme en danger. Sortie, j'ai fermé. Femme en danger. Sortie, j'ai fermé. Femme en danger. Partage des richesses, ou alors...